L'arbitre consulte la table de marque et accorde le panier. Victoire de Saint-Brieuc 77 à 75. Pas si sûr, leur joie sera peut-être éphémère. Le TJB conteste et pose un recours. Pour nous, et c'est en ce sens-là que je me suis adressé aux joueurs, c'est ni perdu ni gagné. On attendra la décision fédérale, puisque lorsque il y a réclamation, c'est la fédération qui tranchera sur ce jugement. On a fait le recours pour pouvoir se défendre et aller chercher la possibilité de rejouer ce match-là. Petit retour sur l'ultime seconde de ce match qui laisse un goût de vol au TJB. Rao met en jeu, Boursier récupère, glisse et tombe, puis passe au sol. Battiston envoie et marque. Tout cela, selon les arbitres, en une seconde. Mais entre la remise en jeu et le tir, nous chronométrons exactement 2 secondes, 6 dixièmes. Ce sera finalement à la fédération d'arbitrer. Sportivement, le match a été à la hauteur de ce final indécis, confus, pas maîtrisé. D'un côté comme de l'autre, les pertes de balles cumulées paralysaient le jeu. Avec 4 petits points d'avance à la mi-temps, le TJB qui souhaitait réussir la passe de 3 était loin d'être à l'abri. Forcément, il y a de l'enjeu. On est deux équipes qui soit on perd un match, on se retrouve quasiment relégable, soit on gagne un match, on se retrouve quasiment à la 5e place. Donc c'est sûr qu'il y avait de l'enjeu. Après, c'est peut-être cette crispation qui fait qu'on avait beaucoup de déchets, beaucoup de shoots ratés, de pertes de balles, de mauvais choix. Mais bon, on est chez nous, normalement, on doit s'imposer. Il faudra retrouver l'exemplarité du match face à Amiens pour les 2 prochains rendez-vous avant les vacances. 2 rendez-vous à domicile et 2 revanches pour ce début des matchs retour. Ça commence face à Trappes samedi prochain, envers qui le TJB a une dette de 18 points.